Je m'appelle Emmanuel Parot, ça fait maintenant plus de 30 ans que je fais du cinéma. J'ai fait 8 courts-métrages, 2 documentaires et c'est mon troisième long-métrage qui va sortir en salle et qui s'appelle Maudit. On est plus dans la tête de quelqu'un qui a peut-être tué son meilleur ami parce que le salaud il sortait avec une métro. Voilà, mais je vous en dirai pas plus. Reste là ! Sauve-moi ! Je vais aller. Arrête-toi, je tire ! Alors après, effectivement, c'est filmé de manière très 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 différente. Moi, j'avais envie que la caméra nous emmène dans une autre dimension, qu'elle soit pas seulement là pour enregistrer la vie de ces deux gars, comme j'avais pu le faire dans Sac la mort. Quoi? Carlos, c'est son fils. Ben, c'est pas ça. À 24 ans, je crois pas. Pour son âge, c'est pas une fille qui fait sorcier. Carlos! Ah. Mais à ma où ? Donc là, la caméra, l'image, le son est là pour construire un univers intérieur. Alors ce film, je l'ai tourné en octobre 2018. En plein pendant la crise des gilets jaunes, on nous a cassé un camion, tout le monde a pris peur, on a arrêté de tourner pendant 4 jours. C'est très stressant. On tourne, on rentre à Paris, et là on fait donc le montage image, le montage son, le mixage, l'étalonnage. Il faut savoir que pour un long métrage, c'est très long la post-production. C'est quasiment un an. Et ensuite, on commence à inscrire dans les festivals. On fait un festival Turin. Sauf que là, maintenant, tout est bloqué. Les salles de cinéma sont interdites. Depuis le 14 mars, chaque semaine à Paris, il y a 22 films qui sortaient par semaine. Si tu fais le cumul, on doit avoisiner fin mai aux alentours de 300 films. 300 films dont des très grosses machines, des blockbusters, des tout petits aussi. Tout le monde veut sortir. Par exemple, un film Pinocchio qui devait sortir, il est sorti sur Amazon, mais les autres vont suivre et il n'y aura pas de sortie salle. Actuellement, les assurances mettent des conditions tellement draconiennes que ça renchérit le coût des films de 20%. Donc l'année prochaine, en 2021, il n'y aura quasiment aucun film sur le marché. Mais à l'inverse, c'est une chance pour nous. Parce que nous, les petits films, on ne s'assure pas. Donc on n'est pas piégé par les banques, par les assurances, on a très peu de moyens, mais du coup, on va pouvoir faire des films, et peut-être que l'année prochaine, ceux qui auront tourné un film cette année en douce, eh bien, ils iront peut-être dans des grands festivals, parce que là, les portes vont s'ouvrir pour des petits films qui ne trouvaient pas de place autrefois. Mon premier film a été tourné en 1987, La Steppe, qui m'a fait un peu reconnaître et qui m'a permis d'avancer dans le métier. J'ai fait Sac la mort, qui est quand même le film ici qui compte le plus, parce que je l'ai tourné à l'île de la Réunion, il a eu une sortie en salle ici. Moi, j'ai pas un style particulier identifiable de film en film. Je pars toujours de la réalité. Dans tous mes films, il y a un travail de préparation documentaire dans lequel je m'immerge. J'ai essayé de me mettre toujours dans des situations de rencontrer des personnes. Maintenant, je pense que j'ai suffisamment d'expérience pour pouvoir me balancer dans une histoire qui vient plus simplement de mon cerveau uniquement. Mais il aura fallu quand même près de 30 ans pour que j'en arrive là. Voilà. Au départ, je suis quelqu'un de contemplatif, mais un contemplatif contrarié. J'ai quand même fait de la prison, j'ai été arrêté, j'ai eu un film censuré qui a foutu ma vie en l'air pendant 3 ans, et je viens en plus d'une famille pour laquelle la vie, comme diraient certains, n'a pas été forcément gaufrette. S'il faut me classer quelque part, moi j'accepte volontiers l'étiquette « fait des drames sociaux ». À l'évidence, je ne filme plus du tout comme je filmais avant. Je plantais des piquets dans la terre et on revenait avec la caméra et la caméra était à tel endroit avec tel objectif, il était interdit d'aller un peu plus à gauche ou un peu plus à droite. Aujourd'hui, je m'en fous complètement. Ce qui compte pour moi, c'est le feeling qui se passe au moment où les choses se tournent. Il y a une chose qui est quand même importante de préciser, c'est que je n'habite pas à La Réunion. C'est un choix. Parce que je pense que pour faire des films, on a besoin de garder une certaine distance pour pouvoir faire les films sans être parasité par des raisons locales qui t'empêcheraient de raconter telle ou telle chose. Moi, j'ai pas envie de me mettre des barrières comme ça. Donc, je préfère habiter loin, mais venir très régulièrement. Je rencontre un nombre incroyable de personnes, de tous les milieux, de tous les styles, et puis les choses se construisent à partir de là. Jusqu'à l'âge de 20 ans, je n'ai vu aucun film au cinéma. Aucun.
parce que je voulais prendre une exploitation agricole. Je me suis rendu compte que j'étais devenu illettré. L'image et le son m'ont laissé à penser que je pourrais peut-être raconter des choses qui me touchaient personnellement et que je pourrais entrer en contact avec un public au travers des images et des sons.